Salut c'est Vim, et aujourd'hui on passe en mode déco. Depuis la 2.5, les graphismes de DCS ont nettement été améliorés, et nous flattent la rétine, plus que jamais. Le ciel, les maps, la lumière, les véhicules, sol ou air sont magnifiques. Alors pourquoi pas se faire plaisir et personnaliser un peu tout ça? C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, simplement et en quelques minutes. Mais avant de passer à la création, voyons comment simplement installer une livrée déjà créée. Rendez-vous donc sur mon Dropbox, le lien est dans la description, ou sur le site de DCS pour télécharger une livrée. Celle-ci téléchargée, décompressez l'archive avec WinRAR ou autre directement dans les livrées de l'avion concerné. Ici en exemple, ça sera le Mirage 2000. Rendez-vous dans votre dossier d'installation de jeu, DCS World Open Beta. Pour le moment, à l'heure de la vidéo, nous sommes en bêta, mais le principe restera le même une fois le jeu définitif sorti. Ensuite, allez dans le dossier Core Mode, Aircraft, choisissez l'avion concerné, ici donc en exemple c'est le Mirage 2000, et ensuite Liveries. Vous avez ici les livrées déjà disponibles pour votre avion en jeu, et maintenant pour ajouter votre texture, il suffit de glisser le dossier de votre nouvelle livrée directement dans le dossier avec les autres livrées existantes. Bon alors ici je possède déjà la livrée, il me demande donc de le remplacer, vous n'aurez pas ce problème logiquement, vous prenez, vous glissez simplement. Et voilà, votre livrée est maintenant prête à être utilisée dans DCS. Allez, passons à la création. Pour ceci, il vous faut 10 kg de PC, 150 g de souris, 500 g de clavier, 2 kg d'écran, DCS, Converters, Photoshop ou un équivalent, un soupçon de cerveau et le lien d'un site internet. Le lien se trouve dans la description. Commençons et allons chercher dans notre exemple une livrée déjà existante que nous allons modifier. Prenez par exemple dans votre dossier Livery un avion de votre choix. Une livrée existante. Ici, Cambrésis, une livrée du Mirage 2000. Copiez la livrée dans un dossier test sur votre bureau. Ensuite, il vous faudra convertir les fichiers DDS en JPEG. Utilisez le logiciel DDS Converters, le lien est également dans la description. Une fois dans DDS Converter, appuyez sur AD. Rendez-vous dans votre dossier test créé sur votre bureau. Et aller chercher la texture à convertir. Ici, nous choisissons la vue du dessus des ailes du Mirage 2000. Cliquez ensuite sur Browse. Allez dans votre dossier test sur le bureau et créez dans celui-ci un nouveau dossier, par exemple JPEG, qui sera le dossier qui contiendra votre texture DDS convertie en JPEG. Cliquez sur Convert, confirmez, le DDS est converti dans le dossier JPEG. Ouvrez ensuite le fichier converti avec Photoshop ou un équivalent et travaillez votre texture comme bon vous semble. Ajoutez un logo par exemple. Une fois terminé, enregistrez et acceptez le remplacement. Enregistrez également dans un coin en format modifiable, Photoshop ou autre, pour revenir plus tard modifier votre livret comme vous le souhaitez. Rendez-vous maintenant sur le site qui vous permettra de convertir votre JPEG en DDS. Choisir un fichier, allez sur votre JPEG modifié avec Photoshop. Target format laissé sur DDS et cliquez sur Convert Now. Le travail de conversion commence et il ne vous reste plus qu'à télécharger à la fin de la conversion votre fichier.
Rendez-vous dans votre dossier de téléchargement pour récupérer le fichier. Attention à la prochaine étape. Il va falloir modifier le nom de ce fichier par le nom de la texture d'origine. Sans ça, DCS ne reconnaîtra pas votre texture. Reprenez votre dossier avec la livrée d'origine dans notre test Cambrésis. Copiez le nom de la texture que nous avons modifiée. L'image avec les ailes du Mirage 2000 donc. Vue du dessus et remplacer l'image. Modifiez maintenant le nom du dossier de la livrée pour tout simplement la retrouver en jeu et ne pas modifier la livrée d'origine. Par exemple, test vidéo. Dernière modification, ouvrir le dossier et ouvrir avec un bloc-notes le fichier description. Allez jusqu'à Name et modifier avec le nom d'exemple test vidéo et enregistrer. Maintenant, et comme expliqué dans la première partie de la vidéo, placez votre texture dans le dossier délivré de votre avion. Ouvrez maintenant votre simulateur favori et allez chercher votre texture perso en jeu. Et voilà, on aperçoit bien ici la modification avec les deux logos que nous avons ajoutés. Il existe bien évidemment d'autres méthodes avec Illustrator par exemple ou d'autres logiciels pour convertir les DDS, mais celle-ci conviendra au plus grand nombre sans avoir besoin de logiciels payants. Photoshop d'ailleurs est remplaçable par GIMP ou tout autre soft pouvant traiter de l'image. Voilà pour la création et la mise en place de livrets personnalisés. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver en live sur Twitch et YouTube. Bonne création, bon vol et à bientôt sur Vimevan.